c'est chouette, on se dépense bien, sympa, il y a une bonne ambiance, il y a plein de choses à faire. Du ping-pong, du volley, on a joué avec les matelas, on a tenté les petits bateaux qu'il y avait tout à l'heure avec les pales. C'est du flat polo, donc c'est les mêmes règles que du polo, enfin un peu arrangé quoi. Là c'est un contre un et le but c'est que t'as l'équipe bleue et l'équipe jaune, ils se battent et puis il faut qu'ils marquent des points et qu'ils se déplacent en flotte-sup. Moi je fais partie de la structure pêchemoderne.com qui est une association, en fait on est moniteur guide de pêche basé sur tout le département du 35. C'est des engins qu'on utilise nous avec nos clients ou lors de nos animations pour la pêche et qu'on a détourné pour l'événement pour montrer un peu au public que la pêche a changé, que voilà c'est une image fun, sportive, dynamique. On est plus sur les images des années 50 avec le papier au bord de l'eau. Mais c'est fou ce que tu peux rappeler. C'est dans le cadre des 4 jeux d'eau, l'une des 4 jeux d'eau, où nous on est chargé d'organiser la partie sport à la piscine de Villejean. Donc voilà, avec l'association des maîtres nageurs qui sont présents ce soir, on a organisé un petit programme. Et quand tout le monde vient nous aider, on range le matériel et on va tous dans l'eau. Ouais. C'est très convivial, c'est très bon enfant et voilà, tout le monde est content. Même des fois difficile de partir à l'heure. Il y a 6 ans, ça a été une décision des élus de la ville de Rennes d'essayer de proposer des jeudis un peu différents. Et donc nous, la direction des sports, on a décidé donc de prendre de différents équipements et de proposer des activités. Disons que ça s'essouffle un peu, je dirais, actuellement. Puis en plus, c'est un concept qui est différent, c'est ce que maintenant, c'est la semaine des 4 jeudis, c'est plus vraiment des nuits du sport. Puisque bon, c'est comme avant, il y a d'Azibao, mais il y a aussi d'autres soirées qui sont proposées. Nous, sur le sport, on s'aperçoit que depuis un certain temps, quand même, on a un peu moins de monde. Mais bon, c'est peut-être un peu de passage aussi. Puis bon, on ne peut jamais trop savoir parce que c'est toujours lié. Actuellement, là, ce soir, par exemple, on nous a dit qu'il y avait des partiels, donc il y avait des préparations. Ça, évidemment, que lorsque nous, on anticipe, on ne peut pas savoir toutes ces problématiques qu'il y a autour de nos animations.